Les beaux jours reviennent alors ce dimanche, 23 avril, la ville de Neuilly-Plaisance, les commerçants sédentaires et non sédentaires, les commerçants du marché et les associations sportives et culturelles proposaient un moment d'exception 100% plaisir pour se détendre en famille tout en valorisant les commerces de qualité. Aujourd'hui, donc, on reprend les bonnes habitudes en sachant que la rue piétonne, le dimanche, on refait la rue piétonne avec les commerçants sédentaires et les commerçants non sédentaires. Et on reprend un petit peu l'esprit village de Neuilly-Plaisance. On est soutenu également par d'autres associations de Neuilly-Plaisance, telles que le karaté, le tir à l'arc. Donc on essaie de joindre à la fois le côté culturel et le côté commercial, et voir toutes les richesses de Neuilly-Plaisance. Des associations fières de permettre à chacun de s'essayer aux activités qu'elles proposent. C'est quelque chose d'intéressant, aussi bien pour la mairie que pour nous, associations, puisqu'on peut faire découvrir notre sport, notre activité. Depuis que nous sommes à Neuilly-Plaisance, nous avons augmenté notre nombre d'adhérents. Nous étions à 4 élèves, on est passé à 30 la première année. Donc pour nous, c'était très bénéfique. Ça permet de faire vivre la ville aussi, ce qui compte énormément. Le bilan de cette journée est donc très positif pour l'ensemble des acteurs locaux. On peut voir dans les allées tous les enfants avec tous les ballons, voilà, sont déguisés. Il y a des animations sur le sport. C'est un rassemblement et c'est très bien. C'est attractif, ça ramène énormément de monde. Aujourd'hui, on peut constater dans les allées du marché qu'il y a pas mal de personnes, de nouvelles personnes en même temps. Donc c'est une réussite. Avec la municipalité et les associations, les 80 commerçants du 3e marché de l'Est parisien se mobilisent chaque dimanche de 8h30 à 12h30 pour vous offrir des moments de fête et de partage. Pour vous tenir informé des prochains événements, rendez-vous sur le site internet et la page Facebook de la ville.